Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Romain. Donc voilà, j'espère que la santé se porte bien pour vous. J'espère que vous allez bien. Et voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit site internet là, super bien fait. Et donc, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez un maximum et vous allez voir, vous allez aimer. Donc, marque de marquevoiture.com. Alors voilà, ce site, il est très bien fait parce qu'en fait, il va vous présenter, il va vous classer toutes les marques de voitures et l'historique des logos. Voilà, en gros, regardez, j'ai cliqué sur voiture italienne et toutes les marques des voitures italiennes sont présentes. Voilà, Alfa Romeo, Fiat. D'ailleurs, dans les commentaires, mettez-moi s'il y en a qui sont oubliés sur ce site. Lamborghini, Maserati, Abarth, Amilcar, De Tomaso, Dia. Ducati, donc c'est tout confondu, moto, voiture, hein, ok. Et ce qui est intéressant, Pagani, ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple pour chaque marque, il y a la description complète du logo. Voilà. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur les logos, l'histoire de la signification du logo, et ça. Franchement, c'est super bien fait. Regardez, date de création 1947. Le premier logo Ferrari, quoi. Non, je pousse ça. Le premier logo Ferrari. Hop. Et après l'évolution. Toujours le cheval cabré. Mais c'est toujours très intéressant. Et ensuite, la description du logo Ferrari. Voilà. La forme du symbole. Pourquoi? Pourquoi le symbole, pourquoi la couleur, pourquoi. Donc c'est top. Et ensuite, donc voilà par exemple là les voitures françaises. Je vais vous montrer, parce qu'on est en France. Toutes les voitures françaises. Et également, voilà, Peugeot, Citroën, Renault, Nissan, Alpine, Bugatti. Il y a même les voitures sans permis. Ligier, tout ça. Et ce que je voulais vous montrer aussi, les logos en fait. Voilà. Il y a à droite les marques des voitures et les logos. Donc ce que je voulais voir avec vous, c'est le logo Dodge, par exemple. L'histoire. Avec une tête de bélier et très connue, il est associé avec les autos américaines fiables. Sous le logo, on peut trouver les camions, les autos de milieu de gamme. Voilà, le premier logo Dodge. Énorme. Honnêtement, je préférais celui-là jusqu'à 2010. Bon, voilà, c'est l'une des plus anciennes marques automobiles américaines. Voilà. Description du logo. La forme du symbole Dodge. Attendez, je vais fermer. Y en a qui font du bruit. Toujours pareil, quand tu fais un truc, quand tu crées, il y en a toujours qui gâchent ton travail. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du direct. Voilà. Et ce que je voulais voir aussi, c'était marque moto aussi. Et pour les amateurs, marque de moto japonaise. On va voir si elles y sont toutes. Honda, Kawa, Suzuki, Yamaha. Voilà. Top, 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 top. Et ce que je voulais voir. Marque de moto française pour voir ce qui sort. Moi j'adore aussi les motos. Ah ouais, de quoi? La France se classe au troisième rang dans la vente de motos par an. Ah ouais, non, mais attends. Ça, je voyais KTM et tout ça. MBK, voilà. Vauxhall. Là, il s'est trompé. Logo Aprilia. Marque de moto française. MBK, Vauxhall, ok. Un peu bizarre.
Un peu bizarre. Ce qu'il y a, je sais pas pourquoi il a mis ça à tête, le mec. Marque de moto. On va mettre autre chose. Marque de moto allemande. Il y a quoi? Il y a BM. Ok. Adler, BM. Ah, il y a des marques que je connais même pas. Énorme, énorme. Ok. Bon, vous voyez, il y a de quoi apprendre, hein, parce que je pensais en connaître des marques, hein, et en fait, les marques de moto, voilà. Donc voilà, c'est un petit site bien sympa. T'as le lien dans la description. Derby, GazGaz, ok, Sherco. Il y a Sherco, je croyais que c'était français, hein. Réjou. Ok. Butalco. Ah ouais, Butalco, fortement. Les célèbres modèles sur le logo. T'es fermé, ok, bah ouais. GazGaz, ouais. J'ai essayé cette moto. Enduro, sympa. Ok. Ben voilà, les copains. Petite vidéo courte. Efficace, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site, tout bien fait. À plus tard. Ciao, ciao.